Pour un film tunisien sortir dans une vingtaine de pays à l'international, ça reste une fierté pour moi, pour mon équipe, mais surtout pour mon pays. علاش حطينا سيراليز داتون تاع الكريف؟ تعرف اللي ثقافة التبرع بالأعضاء في تونس ماهيش موجودة، زلنا متأخرين برشا. Sont dans une espèce de course contre la montre. À un certain moment, ils se retrouvent confrontés à l'option illégale. Et là, c'est un dilemme moral. Est-ce que on achète ou on n'achète pas un foie illégal? J'ai voulu traiter ça pour parler un petit peu, pour sensibiliser aussi mes concitoyens par rapport au don d'organes. Faire ce film-là avant 2011, avant la révolution, je ne sais pas si cela aurait été possible, parce que je pense que le film s'attaque un petit peu frontalement à la corruption, à l'illégalité, à certains tabous que Ben Ali n'aurait pas voulu voir sortir. Mais je pense que maintenant, après 2011, voilà, s'il y a un véritable acquis en Tunisie, c'est vraiment la liberté d'expression.